Salut, salut. J'espère que vous m'entendez bien. Salut Lens. Salut à tous. Je redis tout de suite pour ceux qui sont sur Xberg, bah venez sur Statue Art et ceux qui sont sur Manga Japan. Enfin là, en principe, je vois tous les commentaires, je crois. Donc, salut Olivier, salut Damien, salut Christophe. Voilà. Salut Romain. Donc je vais commencer tout de suite bah, par le sujet le sujet on va dire du groupe actuellement. Salut Stéphane. J'en ai parlé vite fait la dernière fois dans le petit dernier live que j'ai fait un peu à l'arrache. Ah ouais Olivier, hein, merci. On va dire merci à comment à Gaël, c'est Gaël, on a eu le droit, on a eu ça grâce à Gaël, donc merci, je lui ai demandé de me faire un truc un peu plus propre, et du coup, bon après j'ai passé ça fait quand même un petit moment que après j'ai préparé le live. Salut Julien! Voilà, donc bah, comme ça en fait ça vous montre en image un peu bah, pourquoi vous jouez en fait, je vous ai mis. Quand même, bon, même si je pense que tous savent, mais ceux qui n'ont pas encore, qui n'ont pas encore participé, bah, maintenant vous savez. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, Olivier, ça devient sérieux, on rigole plus maintenant. Bah oui, Damien est là, pourquoi Lens? Qu'est-ce que je voulais dire? Alors, il reste 17 tickets, les gars. Donc, je vous ai dit, on a jusqu'au 15. Donc, bah, essayez de partager. Voilà, si ça peut intéresser du monde. Vous voyez là sur la photo, je vous ai montré avec la Natsu, c'est quand même une belle statue. Merci, Julien. C'est vraiment une statue. Enfin, moi je l'ai pré moi personnellement, je l'ai préco. Le scotch, c'est moyen quand même. On fait avec les moyens du bord, Damien. Voilà. Du coup, non, mais il y a peut-être des trucs après qu'on changera. Hein. Tu sais, ça, le but, c'est d'évoluer, hein, de changer un peu les trucs. Mais voilà, je trouve que c'est plutôt sympa ce qu'a fait. Après, on essaiera. Voilà, il a mis. On pourra peut-être modifier. On pourra peut-être changer. Mais en tout cas, voilà. En tout cas, pour revenir sur la loterie, il reste 17 tickets, les gars. On est. C'est super bien parti. Bon, aujourd'hui, ça a été plutôt calme. Les 3 derniers jours, c'est vraiment bien parti. Bah, sur 50. Du coup, les loteries, après, il y en aura d'autres au cours de l'année. Mais je les étalerai, en fait, pour pas. Enfin, j'en ai parlé un peu sur le live hier qu'on a fait sur le groupe non-off. Je les étalerai, en fait. Voilà. Je vous propose, en fait, voilà, ce que je ferai, surtout, c'est qu'on fera des sondages sur les loteries que vous voulez qu'on fasse, enfin, qu'on voulait qu'on fasse, qu'on pourra faire, voilà, en partenariat avec André Fomanim, et je vous annoncerai un futur partenariat avec une autre boutique, dans les prochains jours. Et du coup, sur les loteries, bah, après, je mettrai à disposition et ça sera à vous de choisir. Et à vous de choisir quand est-ce qu'on la fera. Parce que le but, c'est d'en faire de temps en temps. Comme je l'ai dit, c'est pas de saigner les membres. Voilà, voilà. Et de les finir, surtout. Bon, celle-là, on avait une date butoir. Donc, je sais aussi qu'il y en a beaucoup qui veulent faire le Sunny, qui voulaient faire le Sunny aussi d'Infinity Studio. Celui-là, je vais tempérer un peu parce que bah, vu que là déjà c'est une grosse loterie parce que c'est une grosse statue, c'est un gros prix. Donc voilà. Merci Benjamin. À qui moi qu'on me scotche la bouche? Moi, bah tu sais, je crois qu'il est pas né celui-là, hein, Lensin. Il est pas né. Non, il est vraiment pas né. Tu vois, celui-là, c'est sûr qu'il est pas né. Donc voilà, donc le but après des lives, ça sera ça sera des loteries, voilà, on en fera et je vous annoncerai avec un futur partenariat aussi, on fera d'autres loteries. J'avais prévu au début, bah, je vous avais annoncé, j'avais proposé
mes ventes de statues, peut-être à les mettre en loterie, mais du coup, pas pour l'instant, je vais les laisser en vente. En vente, et puis au pire, sinon après, je les remettrai dans un sondage, et puis c'est vous qui choisirez. Voilà. Pas de soucis, bah, c'est cool, Damien, pas de soucis. On se capte après le live si tu veux, il n'y a pas de soucis. Voilà. Donc, comme je vous ai dit, voilà, c'est pour ça, hein, que je montre. Je trouve le petit diaporama, ça fait bien. Et puis ce que j'aime bien, c'est la petite photo quand même avec la Natsu de Tsum, parce que bah, je trouve que la Natsu de Tsum reste une référence. Et du coup, quand je vois les deux à côté, je me dis quand même là. Je me dis que pour. Alors, il y en a compris deux tickets, donc même pour 60 balles. Pour 60 balles, vous avez presque une figurine à 1004, quoi. Enfin, vous voyez, il n'y a que des gagnants, quoi. 10. Toi, prends-en, toi. Ah oui. Toi, tu participerais que s'il y a une loterie de Jimmy, en fait. Ouais, bah oui, c'est une plus grosse. Bah oui, c'est ça, c'est une grosse licence. Demon Slayer, bah, d'ailleurs, en officiel, c'est les seuls. C'est la seule. Moi, je pense que chez Infinity. Pardon, j'en avais déjà parlé, mais je ferai les trois, hein, je pense, Zenitsu et Tanjiro, et bah, ils avaient déjà teasé Tanjiro et comment vous dire, et Inosuke. Là, je l'ai pas oublié aujourd'hui. Mais Jimmy, je participe pas, crevard. Ah, je te jure. Voilà. Donc pour la loterie, voilà. Du coup, on va revenir après. Donc pour la loterie, n'hésitez pas, les gars. De toute façon, je reviendrai peut-être. Je remettrai un rappel à la fin du live. Voilà, sur la loterie. Voilà, Kitsune. Kitsune, bah, bien cool. On vous a mis une petite vidéo sur Kitsune. Je donne pas mon argent pour voir cette raclure de Damien avoir une chance d'emporter le prix. Et qu'est-ce qui t'a fait? Laisse-le tranquille, toi. Oh là là. Et du coup, ouais, du coup, vous avez vu, on vous a mis la Solo Leveling, elle a fait un petit carton chez Kitsune. Du coup, nous, on vous a mis la petite vidéo. Je vous ai partagé aussi, parce que j'ai été à la boutique All Geek à Paris, et je mettrai une vidéo YouTube bientôt. Donc, il y a quelques images aussi de Hippo, de Claymore. Franchement, bah, la Hippo, elle est sympa. La Claymore a des boîtes, franchement. Et puis celle-là, bah, je l'ai pas vue en vrai. Celle-là, la Solo Leveling, mais juste bah, par la vidéo. Mais la vidéo, elle était plutôt sympa. En tout cas, je pense qu'elle a plu à pas mal de monde. Et je pense que les fans de Solo Leveling ont bien kiffé. D'ailleurs, moi, ça m'a donné envie de. D'ailleurs, si, parce que j'ai posé la question, mais personne m'a répondu. Si vous avez des. Parce que je sais que c'est en manga, mais si vous savez qu'un site où il y a des scans et tout, au pire, juste pour me faire un premier avis. Le chien et le renégat de chez FOC. Le chien renégat de chez FOC, bah, je savais même pas que FOC faisait les renégats. Tu vois, je savais pas, Benjamin. Le Shura, je sais qu'il est bien. Enfin, il est plutôt sympa. Bah moi, j'attends là Zodiacos en officiel. Rester sur du officiel. Il y a les Milo. Après, je vous remonterai. Ça sera un autre sujet, mais enfin, je parlerai de la suite des préco Benjamin. Et je vais rester sur Kitsune. Voilà. Donc la vie. Ah, j'ai eu peur. La vidéo a plutôt bien marché en plus, donc a continué de bien marcher. Voilà, c'est cool pour Kitsune, c'est cool pour la page. Voilà, donc d'avoir des petites infos comme ça. Voilà, je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez hein, de la Solo Leveling. Moi, je trouve que voilà, je trouve que c'est vraiment une belle statue. Je connais pas le manga, enfin, c'est un webtoon, mais je connais pas plus que ça. Mais je sais que ça cartonne en tout cas, enfin, vu comment ça a réagi sur le groupe et même chez eux, comment ça s'est vendu, ça a cartonné. Non, on s'en fout. Moi je suis en décalage, donc peut-être que. Pardon. C'est cher pour la taille, Damien. Ouais, je peux l'entendre. Je l'entends, Damien. J'entends, c'est vrai que le prix. En fait, le prix.
va me faire relativiser certaines statues en fait, enfin quelque part. De deux futurs concurrents qui sortiront des statues. Après, il y a quand même un sacré travail quand même. Il y a quand même plusieurs. Enfin, j'ai l'impression. Enfin, c'est pas plusieurs personnages, mais il y a quand même plusieurs. Il y a un beau. Enfin, le socle est vraiment bien, super bien travaillé. Après, enfin, je peux pas me prononcer plus que ça parce que je connais pas. Donc, mais bon, je comprends Damien carrément le prix, ouais. Le prix pique un peu. C'est peut-être le. Enfin, après, je sais pas hein, sur la statue, mais c'est vraiment ouais. J'entends ton argument sur le prix. Ah, bah là c'est parce que toi tu connais Steph, moi je connais pas. Donc tu vois. Bon, je pense que maintenant ça, le proto il est comme ça, donc ça changera pas, hein. Ça restera comme ça. Tu vas l'avoir dimanche, bah c'est cool. Bah au pire, essaye pas, hein. N'hésite pas à nous refaire une petite vidéo, Steph, hein, si tu veux, ou des photos, ce que tu veux, publier sur le groupe, n'hésite pas. Voilà, en tout cas. Enfin, malgré tout, enfin, visuellement, ça, je trouve qu'elle en jette. Voilà, je trouve que c'est une belle réussite. Et puis moi, c'est la clé mort. Je suis au tome 3, je me suis fait spoil avec la statue. Ouais, mais je sais pas combien il y a de tomes, mais je vais essayer de trouver un truc pour soit pour lire ça, pour trouver ça. Et du coup, pour en venir, la clé mort. Je la trouve vraiment, enfin le paint, je le trouve vraiment ouf. Faut la voir en vrai en fait. Hein. Faut vraiment aller la voir en vrai. Je vous conseille à la boutique parce que franchement, elle claque bien. Elle claque vraiment, vraiment, vraiment bien. C'est ouf. Enfin, moi je trouve, hein, perso. Voilà. Pourquoi j'avais fait? Bah, apparemment, j'avais fait un truc, mais je l'ai pas fait. Ah, si, voilà. Donc là, je vais vous parler vite fait. Alors, j'ai posté la vidéo de Zoro de Jimmy. Donc, je sais pas pourquoi sur la page ça marche pas. Ah, attendez. Sur la page ça marche pas. Ouais, je suis d'accord, Olivier. Bravo, Guillaume. Guillaume, c'est le peintre et franchement, il fait un taf de ouf. Il fait un taf de ouf. Il a travaillé sur la clé mort et d'ailleurs même sur la solo living. Et je trouve que le paint, il est vraiment fou. Ouais, Julien. Ouais, je trouve aussi, Julien, je trouve que la clé mort est vraiment une très très belle statue. C'est différent de ce qu'a pu faire Figurama, hein, parce que Figurama, c'est très beau aussi. Mais je trouve que c'est une belle statue. Et bah tu vois, Damien va pareil. Voilà, donc je vais pareil que toi, j'ai craqué. J'ai craqué, donc en principe, c'est bon. Alors salut Thibaut, bah, je vais te refaire vite fait. Je vous réponds à tous, hein, donc donc Damien, voilà, enfin je vais revenir sur le sujet, je reviens après Damien. La loterie, alors la loterie ça en est où? Il reste 17 tickets Thibaut. Donc c'est ce que je disais, c'est voilà, un petit dernier coup de collier les gars, n'hésitez pas à partager si vous avez des gens qui ça peut intéresser. Voilà, c'est pour 30 ou 60 € vous pouvez avoir la chance de gagner une statue à 1004. Franchement, c'est une dinguerie. Voilà, c'est une dinguerie. Et comme je l'ai mis tout à l'heure à côté de la Natsu de Tsum, c'est vraiment ouf quoi. Voilà, ma femme, elle a trouvé un paillasson. Elle est contente. Voilà. Oui, j'ai vu ce qu'il y avait écrit dessus. Vous ne passerez pas. Voilà, Gandalf. Sinon, je suis pardon, Benjamin. Sinon, je suis satisfait du travail de Tsum sur la cam et du verso ainsi que la Naruto. Notamment, comme ça, la dernière statue de Jiraiya ainsi que celle de Gaara avec la représentation du buste de sa mère en sable. Alors, moi, Benjamin. Bon, c'est pas trop le sujet, mais la Camus, pour l'instant, j'attends de voir à la maison. De ce que j'ai vu, je suis plutôt content. Le Gaara, je l'ai à la maison, j'en suis très content. Même si je pourrais redire quelques trucs, mais j'en suis quand même content. Et le Jiraya, j'en suis très 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 mécontent. Voilà. Donc voilà.
comme ça, j'ai fait bref. Tu as préco la Zoro, Steph? Ouais, j'ai craqué, Steph. Enfin, j'ai préco. J'ai réussi à la dégoter. J'ai réussi à la dégoter et franchement, je suis super content. Bah, en sortant de chez Olivier, en fait, en ayant fait la vidéo. Et d'ailleurs, je vous dis, les gars, si vous pouvez aller mettre des likes sur les dernières vidéos, c'est vidéo 4K. Il y a la vidéo de Zoro, Aikoji. J'ai fait la Canon Tajia. N'hésitez pas. Après, il y a mes vidéos de dessin. Bon, voilà. Mais si vous pouvez aller soutenir un peu la chaîne, ça serait cool, quoi. Juste mettre des petits likes sur les vidéos. Ça les permet d'être référencés, tout ça. Donc, ça serait cool. Et on les poste, hein, je les poste sur la page à chaque fois, mais si vous pouvez aller checker vite fait, je pense que là on a quand même quelques vidéos de bonne qualité. Il y a toutes les anciennes aussi vidéos de Tsum, hein, qui eux on cartonne, hein, eux cartonnent. J'ai les dernières, ils ont un peu du mal à décoller, mais les dernières ont bien cartonné, donc enfin les Tsum avaient super bien cartonné, mais c'est vrai que là les autres ont un peu du mal et pourtant certaines sont de meilleure qualité. Bah Romain, voilà, moi je trouve que voilà, c'est exactement ça la Zoro, un vrai coup de cœur. Je peux comprendre certains qui trouvent que la scène elle est pas assez emblématique pour eux, parce que voilà, enfin c'est une scène dans One Piece, c'est pas spécialement la plus emblématique, mais je la trouve ouf, je la trouve super bien réalisée, je l'ai vue en vrai et c'est une dinguerie. Allez, c'est un ouf. Ouais, bah moi, tu vois, Romain, ce que je disais un peu, c'est que la Zoro, voilà, des meilleurs enfin, officiels, bah, t'as la Zoro et la Tsume, et c'est deux statues de ouf, même si la Tsume, pardon, elle est vieille, a commencé à dater, mais elle reste quand même magnifique. Voilà. Donc là, je vous ai mis, on a fait, d'ailleurs, merci à l'accueil, parce que la statue, c'est chez Olivier que j'ai été la voir, donc merci de son accueil pour la Zoro. La Kusan, la vidéo aussi, c'est chez Stéphane, merci de son accueil aussi. Donc voilà, on essaye de vous montrer des statues, des réceptions déjà, c'est des réceptions, c'est des, voilà. C'est des gens qui ont reçu leur statut et ils en sont super contents. Voilà. Comme je disais, je suis sur Olivier, même dans le dernier live où je vous ai fait vite fait Olivier. Et là, il est devant le live et il y a la Zoro et il se jette en même temps en fait. Il est keblo. Bah oui, mais c'est ça, Steph. C'est qu'il n'y a pas vraiment. Et Steph, il n'y a pas à critiquer. C'est soit t'aimes la scène ou soit t'aimes pas. Mais des fois, il y a d'autres statues hein, comme ça. Il y a des statues. Bah, moi, Damien, franchement, dès que je l'ai vu, j'ai eu un petit coup de cœur. Mais après. Après, sachant que One Piece n'était pas fini, tu vois, je me suis dit, ça se trouve, voilà, je vais pas craquer parce qu'il y aura peut-être un autre Zoro de ouf, Damien, tout ça. Et là, je l'ai vu en vrai, en fait, Damien. Je l'ai vu en vrai. Et quand je l'ai vu, oh, enfin, j'avais la langue par terre, quoi. Bah, c'est cool, Romain. Voilà. Ouais, mais tu vois, mais c'est, je sais, il y a deux écoles, Romain. Il y a deux écoles. Il y a l'école, ceux, la scène, pour eux, c'est. Tu vois, j'en parlais tout à l'heure quand j'ai posté ma vidéo sur un autre groupe. J'en parlais avec quelqu'un d'autre sur un autre groupe. Et lui, il me disait, bah, je trouve que la statue est belle. Mais pour moi, la scène, je craque pas parce que la scène. La scène me parle pas assez et ça s'entend en fait, ça s'entend. Mais après, comme dit Lens sur la qualité, tu peux, enfin honnêtement, tu peux rien dire. Même que ça soit la Kusan et la comment dire la. Moi je les ai les deux vus en vrai et je peux vous dire, j'ai été chez Olivier, il est comme moi, il a du Tsumé. C'est pas juste pour dénigrer Tsumé, hein. Mais franchement, je trouve que voilà, il y a un gap. Honnêtement, enfin pour moi il y a un gap. Voilà, c'est pas juste pour faire, mais je trouve qu'il y a un gap. Avec le temps, tu devrais savoir qu'il faut. Ah, voilà. Lens, il est en mode FBI là. Donc voilà. Donc si vous pouvez liker les petites photos, les petites vidéos sur YouTube, bah, je vous remercie les gars par avance.
Du coup, je vais passer à Zodiacos. Hop, voilà, pareil. J'ai fait la Tagia, je vous ai fait un live, je vous ai montré un peu pareil, la vidéo elle est sur YouTube. Si vous pouvez aller liker tout ça, lâcher un petit like, n'hésitez pas. Salut Sylvain. Voilà. Ah bah je sais pas si tu es au courant, Sylvain aussi, on a une notrie sur le groupe. Si ça te tente, bah n'hésite pas. Voilà. Sinon, je suis fan du travail de la licence Prime pour Okutonoken ainsi qu'Evangelion. Alors, Benjamin, Evangelion, je suis d'accord avec toi, Okutonoken, je n'aime pas du tout. Je préfère par exemple ce que fait Tsum ou ce qu'a fait, enfin, ce qu'a fait la première Tsum en fait, la Rao, parce que la Toki, j'aime pas. Enfin, j'aime pas, j'aime bien, mais j'aime plus en fait, parce que le produit arrivé, il était juste inadmissible. Et par contre, je trouve ce qu'a fait Kitsune sur Toki est vraiment super top. Je te disais, Sylvain, on a une loterie en cours. C'est la Zenitsu Infinity. Donc, si ça te tente de participer, bah, n'hésite pas à venir à MP si tu veux, on en reparlera en MP. Bah, j'avais fait un live sur Tagia, hein, tu sais, j'avais fait. Bah, il est sur la page, hein, tu peux le revoir, Damien, tu le trouveras vite fait. Et puis après, j'ai la vidéo sur YouTube. La vidéo sur YouTube, moi, je me suis. Moi, sur YouTube, je m'amuse un peu, les gars. Hein. Moi, je fais mon délire. Enfin, après, il y en a qui aiment ou qui aiment pas mes vidéos, mais c'est mon délire. Voilà, je m'amuse. Sur YouTube, je m'amuse. Voilà, j'essaie de vous montrer quand même les statues un peu, voilà, mais je m'amuse. C'est pas possible, N, c'est deux. C'est deux. Donc c'est pas possible. Ouais, Sylvain, ouais, elle est énorme. Ouais, franchement, ouais, elle est énorme. C'est 30 euros le ticket, il y a 50 tickets. Voilà. Et ouais, voilà. Et c'est deux par personne. Deux par personne, et il reste plus que 17 tickets. Voilà. Donc après, je te dis, bah, à toi de voir. Au pire, si tu veux, je vous dis, tu reviens en MP, et puis on en discute après. Après le live, ou même tu m'envoies un message et puis je te répondrai après. Voilà. Donc voilà, la vidéo elle est postée pareil. Donc n'hésitez pas à aller la liker, tout ça. Donc je sais que vous avez beaucoup d'infos et puis surtout sur la page, en ce moment on est quand même assez actif. Donc il y a pas mal de. Enfin, vous avez remarqué, il y a pas mal de contenu, tout ça. Donc des fois il y a les infos qui passent. Voilà, et puis vous êtes aussi sur d'autres groupes comme moi. Donc. Des trucs des fois qui passent à l'as. Donc n'hésitez pas le soir hein, et sur Statue Art vous jetez un petit coup d'œil, vous verrez tous les trucs sur la page de Statue Art ou même sur le groupe. Bah, sur le groupe il y a un peu tout le monde. Donc là parce que le groupe c'est pour tout le monde. Mais sur la page vous retrouverez toutes les infos en gros. Et en plus on fait le récap de la semaine. Un récap de la semaine où on vous remet tout dans le récap. Donc le dimanche en principe on essaye de se tenir à vous mettre le récap de la semaine surtout. Ouais, pas de soucis, Sylvain, t'inquiète. T'inquiète. Salut, Scrollens. Bah, Damien, je pense que c'est un secret de Polichinelle, mais à la fin du mois, en principe, on devrait avoir des nouvelles Damien sur Zodiacos, je pense. Voilà. Donc, Chaka, je pense qu'elle arrivera à la fin du mois, là. Donc ouais je pense que ça va nous surprendre je pense Damien. Honnêtement sur Zodiaco je pense que bah, peut-être c'est ouais, enfin j'aimerais bien qu'ils sortent vu la qualité, tu vois, sur les places, mais sortir un petit peu tu vois du musée, peut-être pas du muséum, parce que ce muséum ça va avec Senseiya, mais tu vois faire un truc qu'on s'attend pas. Ouais, d'accord, Sylvain, y a pas de souci, bah tu me rappelleras ça, ok? Eh ouais, c'est Polo, Lens, c'est Polo. Enfin, il m'a fait ça et j'ai trouvé ça cool, voilà. Donc, du coup, après, je voulais vous montrer ça aussi, voilà. Parce que je vous ai dit, je vais la poster sur YouTube aussi. J'ai fait une vidéo sur All Geek, sur la boutique bah, qui est à côté de Manga Story, Tsume Store, tout ça.
Donc, bah, n'hésitez pas, il y a Taka qui expose aussi. Donc là, j'ai juste mis la Olivier Tom. D'ailleurs, vous pourrez voir, hein, franchement, je trouve que la Olivier Tom, bah, même au début, hein, il y en a qui disaient un petit peu les HS et tout ça. Et en fait, non, en fait, je trouve que bah, le mec qui kiffe Olivier Tom, c'est un bon one shot. Voilà, enfin, même s'il veut, même si après c'est différent de Tsume parce que Tsume c'est le nouveau, mais celui-là c'est vraiment l'ancien. Et celui qui est un peu plus qui préfère l'ancien, bah là il a vraiment une belle statue, je trouve. Après, c'est dommage qu'il continue pas, mais il y a les PVC aussi qui sont exposés. Mais ça, je vous l'ai mis. Le problème, c'est que dans la vidéo, vous verrez, c'est que bah, il y a les vitrines, et du coup, bah ça rend pas super, ça rend pas tout le temps super bien. Donc voilà, mais en tout cas je trouve que les deux de Taka sont vraiment belles. Enfin le pas les enfin les PVC sont jolis aussi, mais je trouve que bah, la statue allongette. Voilà, pour un fan d'Olivier Tom. Ouais, c'est la mise en scène de l'anime, c'est ça. C'est quand ils font leur tir. Salut. Oh là, qu'est-ce qu'il me fait là? Pas t'entendre. Non, non, mais tais-toi, toi. Voilà. Et bon, on arrive déjà là. On arrive là. Hop, Figurama. Voilà. Si ça bug pas. Voilà. Bah moi, enfin, comme j'ai dit, Sylvain, je la trouve belle. Je la trouve vraiment belle, mais je connais pas, donc tu vois, je connais pas Solo Leveling, donc c'est compliqué de juger un truc que tu connais pas, quoi. Tu vois, par exemple, là, on va parler de, tu vois, enfin, moi, je trouve que, enfin, je la trouve vraiment belle. Voilà, si je devrais, je la trouve belle. Mais, enfin, comme Stéphane l'a dit tout à l'heure, bah, lui qui lit un peu le manga, il dit, il y a ça, ça et ça qui aurait peut-être pu être différent. Donc, ça s'entend. Après, et Damien, comme il dit, un peu cher le prix. Voilà. Donc, ça s'entend aussi. Et là, vous avez vu, il y a eu l'événement Figurama, là, qui a présenté bah, d'ailleurs sa nouvelle cam, là, avec Shaman King, que je trouve vraiment, vraiment sympa, la Shaman King. La Yu Yu Hakusho aussi, un poil trop réaliste pour moi. Voilà. Bah moi aussi Olivier, j'ai bien aimé. Juste un chou. En fait les deux vraiment bien aimé, bah, c'est la Yu Yu Hakusho et celle-là la Seven Deadly Sins. Par contre juste moi la Seven Deadly Sins, les HS c'est pas possible quoi. Ouais, je l'ai pas mis la Castlevania. J'ai pas eu le temps mais je voulais la mettre mais je l'ai pas mis. Mais ouais j'ai vu très très joli, très très joli aussi. Mais là, après aussi, il faut voir à réception, les gars. Faudra voir à réception. Là, je sais qu'il y a les Ichigo. Mais après, c'est le style Figurama. Hein. Style Figurama, c'est très très réaliste. Hein. Donc, c'est soit t'aimes pas, quoi. Yu Yu Hakusho, tu la trouves bizarre? Ah, c'est vrai? Bah, en fait, ben, moi, il y a. Enfin, je la trouve. Enfin, je trouve que. Enfin, je la trouve belle, mais hein. Chouïa 3 réalistes. J'ai pas vu les prix. J'ai pas regardé Julien les prix. Je sais que la Yu Yu Hakusho, la Shaman King, je trouve que c'est celle qui fait plus, enfin, plus fidèle. Fidèle à l'œuvre. Enfin, en tout cas, peut-être au dernier anime qui est sorti là. Même si l'anime, j'ai un peu du mal, mais. Ah oui, non, mais je suis exactement d'accord comme toi, Sylvain, je sais pas pourquoi il me fait ça, là, alerte signal, là. Arrête avec ta alerte signal, là. Je trouve complètement les HS, j'espère qu'ils vont les revoir. Alors, je sais que Figurama, ils ont l'habitude. Alors, est-ce que c'est de la publicité, est-ce que c'est pas de la publicité, mais c'est de vous présenter un truc et puis dire je retravaille derrière, je refais, histoire d'écouter la communauté. Donc, ils vont peut-être écouter comme ils ont fait pour Naruto, ils vous ont présenté des premières têtes, les têtes allaient pas, ils sont revenus, ils ont refait. Donc, voilà. Ah ouais, t'es. Ah bah moi je trouve, je le trouve super bien réussi, tu vois, Olivier.
Tu vois, Toguro, je le trouve ouf en fait. Tu préférais quelle forme? Parce que ouais, c'est sa forme vénère ultime là, si je dis pas de bêtises. Si je crois, hein. Attends, je me souviens plus. Ouais, là, c'est quand il est en mode vénère là. Après c'est un style j'aime. Moi, il y a des fois que j'aime bien. Un peu comme la Zoro, hein, c'est un style de figurine. Les duels, donc les dioramas, ouais, c'est sa dernière forme, mais ouais, ça, bah, moi j'aime bien. Lui, je le trouve en fait, c'est pas lui qui me gêne le plus dans le côté réaliste, c'est plus Yusuke. C'est Yusuke, je sais pas, j'ai un peu du mal. Lui, au contraire, je trouve que ça me dérange un peu moins. Lui, ça me dérange un peu moins, mais Yusuke, ouais, ça me dérange un peu. Mais voilà, hein, ils ont annoncé du lourd encore, je trouve, Figurama. Après, faut envoyer les statues aussi. Donc je sais pas eux aussi, hein, parce qu'eux aussi ils doivent commencer à avoir pas mal de retard, hein, non? Bah de toute façon Damien, voilà, on peut pas tout faire. Hein. Tu as raison, notamment la sublime raie de Shetsu. Ah bah moi, Benjamin, j'aurais pas dit sublime la raie. La raie aurait dû être sublime, mais elle n'a pas été. Bon, elle va peut-être l'être avec les gens qui vont recevoir la deuxième tête, mais on ne sait pas comment et on ne sait pas quand et quel jour, mais j'aurais pas dit vu ce que les gens ont reçu chez eux. Mais comme Jiraya, quoi. Jiraya, je trouve. Voilà. Je trouve. Alors attends, je lis la fin de ton com. Maintenant, j'entends potentiellement un diorama de Tsum pour ses dernières licences. Ah, mais je pense que c'est fini, hein, Benjamin. Je pense que si tu veux du Hokuto no Ken, ce sera chez Kitsune. Parce que Tsum, je suis pas sûr qu'il te fasse du Hokuto no Ken. Et même pas en Ikigai. Ouais. Et alors, je comprends ce que tu voudrais, mais même chez Kitsune, je pense que t'aurais pas ça. Parce que Kitsune, ils font des statues, en fait, ils se concentrent sur un personnage la plupart du temps, tu vois, ils font pas. Il suffit de regarder ce qu'ils font, hein, ils font pas. Y a pas de fight. Ouais, bah oui, Olivier, ils ont 23 licences, mais bon, si tu fais que des one-shots sur les licences, voilà, regarde tout ce qu'ils ont sorti, il y a quasiment que des one-shots presque. Ils ont. À part la Seven Deadly Sins, là, c'est la deuxième. Bleach pour l'instant, il y a eu une seule Bleach. Même si peut-être qu'ils referont, mais ça date hein, quand même, tu vois. Donc, eux, ils sortent. Ils ont plein de licences, mais. Après, je trouve que c'est pas dérangeant parce que ça va avec leur concept. Parce qu'en fait, limite, leur concept, chez eux, c'est un peu de te dire t'achètes une statue d'une licence et t'as la statue, en fait, que. Tu vois, ils te font deux personnages emblématiques dans un duel, ils les mettent un peu les deux en valeur, et du coup, tu peux arriver et te dire, bah ouais, c'est bon, j'ai ce qu'il faut, quoi. Ah oui, j'avais oublié qu'ils avaient ça aussi, Sylvain. Ouais, oh, c'est ouf. Ouais, ils ont, je sais pas combien de licences. Oh, mais je crois qu'ils l'ont annoncé, ils ont annoncé deux autres licences, là, je me souviens même plus. Deux ou trois licences, je crois. Puis ils ont présenté. Enfin, j'ai pas mis toutes les statues, hein, mais ils ont présenté pas mal de trucs. Ils ont présenté pas mal de trucs. Je sais que. Bah, Itachi, il doit être à donf là. En plus, c'est l'un de ses mangas préférés. Comment il s'appelle? Ah, je me souviens plus. Black Lagoon, je crois. C'est ça, c'est Black Lagoon. C'est la meuf de Black Lagoon. Donc. Non, ouais, ils ont. Bah, ils continuent. Après, il y a eu pas mal de préco comme chez Figurama. En réception, j'ai vu la Ichigo, donc je sais pas ce qu'ils doivent envoyer prochainement. Ouais, c'est ça, c'est Black Lagoon, Damien. Je sais, j'ai un petit décalage, c'est le temps que ça monte au cerveau. Voilà, du coup, voilà, on a fait. C'est bizarre, je sens que j'en ai oublié un. Non, j'ai pas mis tout ce temps-là pour un. Voilà. Là, hop. Là, c'est ma page de dessin, les gars.
Donc je vous repartage un peu les dessins, les derniers, enfin c'est tous les deux un peu les dessins que j'ai fait au courant de l'année. Voilà. Donc bah d'ailleurs il y en a un pour s'il y en a un que c'est celui-là, le c'est Sylvain. Christophe. Donc j'ai toujours la toile qui dispose si c'est il y en a qui sont intéressés par la toile de comment vous dire de Zenitsu. Voilà. C'est la dernière en date et celle-là est dispo. Et du coup, bah, c'est pareil, si vous voulez la page de dessin, hein, pas de souci. Moi je pense que ici, tous ceux qui sont sur le live, mais ceux qui regarderont peut-être plus tard ou après, bah, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil à la page, ce que je fais en dessin, si ça vous intéresse, si ça vous plaît. Pareil, si vous avez envie de. Si vous voulez parler de projet, bah pareil, vous venez en MP et puis on discute. Voilà, il y a du Senseiya, il y a du Naruto, il y a du One Piece, il y a du Demon Slayer. Moi j'aime un peu tout, donc voilà. Ça, c'est un portrait. Rien à voir avec le manga, mais bon, ça c'était un peu un petit cadeau. Voilà, d'ailleurs, il y a un concours aussi hein, qui va être fait sur le groupe prochainement. Là, Benjamin, il va s'en occuper, il fait un concours, ça sera sur le thème de Demon Slayer. Bon, bah là, c'est grillé, Damien. C'est grillé, c'est mort. Mais ouais, bah ça va avec le thème en fait. Mais c'est en plus, c'est pas voulu hein, parce que en fait, c'est mon projet. Enfin, j'en ai déjà parlé. J'avais un projet. En fait, c'est bien tombé. C'est que tu vois, je fallait faire le Zenitsu en toile et il y a la loterie qui est tombée en toile. Donc là, j'ai envie de te dire en ce moment sur le groupe, c'est un peu Zenitsu Forever quoi. Là, on est un donf en mode Zenitsu. Donc, j'aurais dû mettre une petite musique dans le live avec sa gueule en train de gueuler. Mais bon, avec les copyrights, ils m'auraient bloqué. Mais Izuku-chan! Izuku-chan! Ouais, merci Julien, merci. Et du coup, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Et du coup, bah, le projet en fait, c'est de faire les trois. Je vais faire les trois en dessin. Comme je vais collectionner les trois en statue, en fait, je vous ai dit tout à l'heure, en fait, parce que là, je me suis dit, putain, j'ai l'impression que je l'ai déjà dit. Mais oui, c'était pas la même chose, parce que tout à l'heure, je parlais des préco. Donc, il y a la Milo, je reviens, parce qu'il y a eu des questions. Il y a Zodiacos, là, qui va sortir leur chacun, je pense, à la fin du mois. Il y a, comment vous dire, il y a. J'ai la Milo d'Immortel qui m'intéresse beaucoup. Et il y a la Zoro de Jimé. Voilà, la prochaine, Zoro. Merci Damien. Voilà, je vais faire un Albator. Je vais faire un Albator. J'ai un autre portrait à faire. Un portrait. Et peut-être, bah, j'ai quelqu'un. Bah, je vais voir qui est venu me voir en MP pour un Naruto. Donc on verra. Là, c'est plus une toile. Donc voilà, ça c'est un peu tout le travail qui a été fait. Ta Jiraya, tu l'as vendue? Ouais Sylvain, elle est vendue, ouais. Elle a été vendue bon, en même temps que toi, Sylvain. En même temps que je t'ai vendu la Kurama. Les Naruto sont. Enfin les Naruto, ils sont partis très vite. Ouais, non mais moi si je la préco, ça sera chez Dream, Damien. Si je la préco. Parce que je rappelle aussi qu'on est en partenariat avec Dream et on a un code promo avec le groupe, donc vous avez 5% de code promo. Salut David, coucou, j'espère que tu vas bien. D'ailleurs, bah on profite, David, je sais pas si vous suivez un peu David sa page, enfin, c'est pas vraiment sa page, c'est son profil, il met ça sur son profil, je crois, directement. C'est un ouf, hein, nous on partage sur le groupe, ouf de Senseiya, il dessine de ouf, il fait des dessins de ouf de Senseiya. Donc n'hésitez pas à aller voir, il fait des trucs de ouf aussi. Hein. Sur SS d'ailleurs, là il sort un petit truc bien sympatoche, j'ai vu sur son truc, il sort
Un sorte de petit album, je veux dire, des illustrations en fait en album. Voilà, c'est enfin tous les dessins qu'il a fait, je crois qu'il a compilé en petit album, donc voilà, c'est plutôt sympa pour les fans de SS, de Senseiya. Bah ça, on en parle en MP si tu veux, Sylvain. Mais tu sais, Damien, Tsum, ça part, enfin, ça dépend lesquels, mais il y en a qui partent vite, hein, il y en a qui partent vite. Pas de soucis, David, t'inquiète. D'ailleurs, pareil, hein, aussi, il y a Balou, hein. Balou, les gars, allez voir ça. C'est dommage, mais bon, bah, après, je sais qu'on peut pas tout faire, mais je sais qu'il a organisé une loterie pour sa toile. Il a une toile aussi, donc allez jeter un coup d'œil. Balou, il dessine super bien aussi. C'est un peu intéressé. Moi, je suis pas dans le mode concurrence, tout ça. Il y a de la place pour tout le monde. Nous les, enfin moi je dessine, je kiffe, voilà, tu prends mon dessin, tu prends pas, bah tant pis, c'est pas grave, mais bon, voilà, c'est, mais en tout cas, Balou fait des super dessins, allez jeter un coup d'œil. De toute façon, vous voyez, en ce moment, moi je partage les dessinateurs. Bon, maintenant je leur demande un peu plus de eux partager, parce que d'habitude c'est moi qui vais les chercher. Mais là, par exemple, il y a William qui a partagé son Senseiya, il y a Julien qui a partagé son Kid Buu, qui était super top aussi, t'as Ludo, voilà. Donc, voilà, moi je kiffe, donc. Merci David, bonne soirée à toi. Non, non, mais c'est parti vite, hein, Damien. Damien, franchement, l'Algérie, elle est partie très très vite, et la Kurama, bah, elle est très recherchée, la Kurama de Tsum est très très recherchée. Merci Sylvain, mais t'inquiète, hein, je t'ai pas oublié non plus, hein. Je sais, il y a le soir d'Art Offline, hein, mais voilà, je sais que t'es pas trop pressé, donc c'est pour ça que j'ai tempéré. Et j'ai le soir d'Art Offline et le Albator à faire. J'ai un Albator à faire et je vous dis portrait. Et après, moi je cale aussi. Maintenant, j'ai décidé de caler mes propres délires à moi, en fait, comme le Zenitsu. Le Zenitsu, c'est un délire à moi. Ouais, je sais, Julien, il n'y a pas de souci. Hein, tu sais, moi, je sais, t'es Midclot, je sais que t'as un donf Midclot, bah, même sur le groupe. Hein, moi, tu sais, j'étais comme toi avant. Après, je suis passé à la résine. Mais j'étais comme toi, j'étais à Donf Midclot et j'ai tout revendu pour passer à la résine. J'ai peut-être pas fait une affaire, mais bon. Mais bon, en tout cas, voilà. Et j'adore, et je kiffe toujours, même, tu vois, il y a Mike Tigra aussi qui partage sur le groupe ses vidéos de collection de Midclot aussi. Donc voilà. J'ai un dernier petit truc. Ouais, Sylvain, bah tu me diras après, si tu veux, on en discutera. Qu'est-ce que je voulais dire? Il y avait un dernier petit truc, bah d'ailleurs qu'on continue. D'ailleurs, j'ai dû le mettre à la fin en fait. Voilà, j'ai oublié de le mettre, c'était celui-là. Voilà. Voilà, on va finir et puis je finirai avec. Je mettrai un petit coup sur la loterie. Voilà. Alors. Là, moi, je vais finir sur ça, parce que c'est mes petits kiffs du moment en anime. Bah, n'hésitez pas à me dire, vous, ce que vous regardez, ce que vous kiffez. D'ailleurs, la prochaine fois, je vous ferai réagir, hein, parce que je vous ai pas fait beaucoup réagir, mais je referai différemment. Connecter le logiciel pour lancer un direct. Qu'est-ce qui me... Non, non, non. Mais n'importe quoi. Petit bug. Vous m'entendez ou pas? Salut Dada, vous m'entendez ou pas? Je sais pas ce que ça a bugué, je sais pas, il y a eu un petit bug. J'hésite à rendre mes PFC haute qualité pour me concentrer que sur la résine et je me dis niveau plage, je suis pas sûr d'être gagnant. Bah, tu sais, après Sylvain, moi je dis, il faut faire des choix, voilà, faut faire des choix. Moi j'ai fait des choix aussi, même si tu vois, là j'ai un peu vrillé dernier temps, tu vois, je devais rester sur Naruto et Senseiya, mais c'est vrai que Zenitsu et Zoro, bon, après, j'ai vrillé sans beaucoup vriller, hein, parce que voilà, j'ai revendu des statues aussi et j'ai déjà des collections Naruto, j'ai presque tout ce que je veux en Naruto, donc je vais essayer de me faire les 3 Demon Slayer.
Et peut-être le Monster Trio One Piece. Ok, merci les gars. Je sais pas parce que ça a vrillé, ça a relancé le générique, je sais pas pourquoi, j'ai pas compris. Voilà. Du coup, voilà, bah moi c'est mes animes du moment. OP, voilà, à Donf tous les dimanches. Le dernier épisode c'était une dinguerie. Bon, je spoil pas hein, les gars, hein, juste voilà. L'attaque des Titans, la dernière saison de la folie, folie furieuse, bah Demon Slayer. Pff, là, je me fais ce week-end les trois, les gars. Mais ça va te défoncer, en fait. Ça va te défoncer. Et puis ça, c'est... Tiens, dada. Ça, dada. Ça, il faut, dada. Ça, je sais pas. Faut faire un truc, quoi. Dai, c'est un truc. En plus, ça te parle, c'est ta génération, dada. C'est obligé, tu me dis que ça... C'est obligé que ça te parle. C'est comme Senseiya, quoi. C'est Fly. Moi, à l'époque, j'étais Fly. Fly, Senseiya... C'est ouf quoi, c'est et en plus l'anime comment ils l'ont refait, c'est une dinguerie. Là en plus on arrive à des moments de ouf. Franchement, je vous conseille tous, hein, à regarder. Magnifique, juste, enfin, je le trouve magnifique. Je vous conseille tous d'aller regarder Dai. Ça mérite d'être connu en fait. Ça, enfin pour moi ça mérite d'être, c'est un truc de fou quoi. C'est peut-être les codes à l'ancienne. Voilà, c'est code RPG, tout ça. Bah c'est du Dragon Quest, hein, mais l'histoire, enfin, moi j'adore, j'adore. Ah bah j'irai voir. J'irai voir sur quel site, Sylvain? Non, Damien, je te dis, regarde Dai, je te jure, Dai. Dai, c'est génial. Franchement, je te jure. Tu te mets sur Aden, en plus là, tu peux enchaîner un truc de fou. Tu peux enchaîner un truc de fou, Damien. Là, Dai, c'est une tuerie, poto. C'est beau, c'est magnifique. Ils l'ont refait, c'est magnifique. C'est du même niveau que les animes actuels, en fait, que t'as dernièrement. On a de la chance, en fait, tu vois. La Toei, en fait, sont réveillés avec OP et d'ailleurs, et Dai. Même Dai, je pensais qu'à un moment, peut-être, il y aurait peut-être perte de qualité, mais même pas, tu vois. C'est toujours ouf. Et là, je pense que ça va être encore plus ouf. Hein, je te dis, le combat avec son daron, mon gars, c'est un truc de fou. Sur Crunchyroll, bah, je crois, en plus, là, il y a des trucs Crunchyroll, il n'est pas gratuit quelque temps, là. Ah non, je crois que c'est par rapport... parce que moi, je regarde par Xbox et je crois que j'ai un truc... tu sais, quand t'as les Xbox, là, ils font leur nouveau truc où t'as un... Ah oui, bah oui, non mais mais c'est ça qui est bien, Damien, franchement. C'est ça qui est bien. Moi j'aime bien. Tu vois, c'est pour ça que la Demon Slayer, au début, moi ma fille, parce qu'elle regarde avec moi, elle a fait un peu le forcing. Mais j'ai. Là, je l'ai keblo en fait, parce qu'elle a voulu qu'on la regarde toutes les semaines, nanana, elle voulait enchaîner. J'ai fait non, mais moi il faut que là, à un moment, on fait une soirée en fait. Dimanche, on va se faire une soirée de Demon Slayer, on va se les manger dans la tête et on va avoir des étoiles dans les yeux. Hein. Ça va envoyer des étoiles dans les yeux. Et là, je sais qu'aussi samedi, là, à 9h, 9h30, là, le Dai, il va envoyer du pâté, hein. Et pareil, Olivier. Pareil. Mais tu sais, des fois, il m'en faudrait deux, en fait, presque, Olivier. Et à un moment, ce que je faisais, c'est parce que des fois, le samedi, j'avais pas le... J'avais pas, parce que, bah, je peux pas, des fois... trucs de prévu et je pouvais pas regarder le die et du coup je me faisais le die et le OP le dimanche en rentrant après le foot tu te fais un petit die OP ouais, même après le foot je fais pas la sieste c'est ça te laisse pas le temps de dormir mais voilà du coup c'est mes petits délires du moment en tout cas en anime c'est mes délires du moment. Bah, Sylvain, t'hésiteras pas à m'envoyer le truc. Au pire, si t'as un lien, n'hésite pas à me l'envoyer du truc que tu m'as parlé. Je regarderai. Je regarderai si c'est sur Crunchyroll. Parce que ouais, c'est pareil sur Wakanim. Il y a des trucs. Enfin, il y a tellement de trucs aussi sur Wakanim. Mais des fois, je sais même pas quoi regarder. D'ailleurs, je vous ai repartagé un truc. Je crois que c'était sur Crunchyroll aussi, qui avait l'air pas mal. Mais parce que des fois, je vous partage des trucs, mais je connais pas. Hein. C'est juste, voilà, je me dis que ça peut vous intéresser. Voilà, donc je reviens sur ça. Donc voilà, c'était le petit côté. Et pareil, le dernier épisode de One Piece, les gars, mais oh, papa, mais comment il était ouf! Oh,
Et j'ai adoré, franchement j'ai adoré. Le dernier il était ouf, bah, je spoil pas, hein, mais il était vraiment ouf encore. C'était franchement là c'est une. Moi je vous dis pareil là, mes filles ils sont à fond OP. Là c'est transmis, on a tout repris depuis le début, on est à l'arc. Bah le NR, on est à NR. Ouais, mais moi j'aime tout Damien, donc c'est ça le problème. Moi, tu peux me dire, ouais, One Piece c'est la vie, Senseiya c'est la vie, enfin moi c'est les mangas, c'est la vie en fait. Donc, et puis tu peux me dire, le MCU c'est la vie, le Seigneur des Anneaux c'est la vie, c'est les geeks c'est la vie en fait, c'est le problème. Warner Melchrome, statue geek est la vie en fait. Statue art geek c'est la vie. Mais voilà, c'est vraiment du kiff. Enfin, j'ai envie de dire, des fois, quand même, on a de la chance, notre génération, en plus de pouvoir transmettre ça à nos gosses. Parce que moi, les gosses à l'école, ils sont tous ouf. Je sais pas vous, hein, les vôtres, mais moi, les gosses, ils sont aussi ouf, quoi. Hop. Voilà, donc c'était ça. On finira là-dessus. La petite loterie. Donc je vous ai dit, il reste 17 tickets. Si vous avez envie de participer, n'hésitez pas à venir tenter votre chance. Il y a pas, en plus, c'est tout compris, il n'y a pas de frais de port. Hein. C'est 30 euros, 30 ou 60 euros. Donc vous gagnez, c'est réglé. C'est voilà, ça arrive directement chez vous après. Et la statue est finie. Donc c'est pas une réelle préco, c'est le temps qu'après que ça arrive de Chine, donc dans 2 mois ou 3 mois elle est chez vous la statue là. Dans 2 mois ou 3 mois la statue est chez vous. C'était quasiment une vente. C'est quand? Comment ça c'est quand? La fin de la loterie c'est le 15. Mais comme j'ai dit, si le 15 j'ai pas tous les tickets, je serai obligé d'annuler. Donc il faut la finir. Si on ne la finit pas, ça serait dommage parce qu'on est quand même 17. Donc ça veut dire qu'il y en a déjà pas mal de parties et devoir rembourser tous les champs. Ben, je ne vais pas vous dire que ça va vite me prendre la tête parce qu'il va falloir, ben, je le ferai, hein, mais il va falloir faire tout à l'inverse et que le temps, tout ça que ça m'a pris. Mais voilà, essayez de partager la publication de la loterie. Si vous amis qui ça peut intéresser, qui serait susceptible, voilà, de se dire bah peut-être pour 30 euros je tente ma chance. Bah tu sais Damien, moi ma grande, bon, je vais raconter un peu ma life. Moi aussi, hein, tu sais, ils étaient comme toi, pas de patrouille, ma chance, ceci, cela. Mais le problème c'est que moi je regardais, tu vois. Et du coup, bah après, regardez avec moi. Voilà. Ma dernière, elle est un peu. Mais elle accroche un petit peu moins. Elle est juste un peu plus OP. Tu vois, elle kiffe Senseiya, mais elle veut pas regarder. Je sais pas pourquoi. Enfin, elle est amoureuse d'Athéna. Mais chaque fois, je lui dis. Enfin, elle a regardé au départ, mais après. Mais par contre, la grande, mon gars, mais elle c'est tout, mon gars. C'est tout, elle est ouf. La grande, elle de 11 ans, là, elle est ouf. C'est un truc de malade. Tu sais, on va au cinéma voir le film Demon Slayer, il y a l'ouvreuse, elle a carrément été la spoil direct. La meuf, elle avait pas vu Demon Slayer, elle voulait regarder et tout, spoil direct, elle fait taper des barres, c'est une ouf. Et du coup, Pogo, excuse-moi Anthony, je disais, ouais, la loterie, c'est maintenant, c'est en cours, donc. Si t'es intéressé, bah tu viens en MP sur la page Statue Art, je te répondrai. Après, si tu veux venir sur mon perso, tu peux venir aussi sur mon perso, hein, c'est Xavier Blando. Mais sinon, la plupart, je réponds sur Statue Art. Voilà, vous venez vous envoyer un message en Statue Art, ceux qui sont intéressés. Et je vous dis, 17 tickets, il reste, il faut qu'on la finisse le 15. Et une fois fini, et bah, on fera le tirage au sort. Voilà.
J'enchaînerai le tirage d'un genre. Alors c'est pareil, hein, quand il y a les loteries, ce que je sais que la dernière fois pour la Salomon, ils m'ont demandé après quand est-ce que c'était le tirage au sort. Des fois, je le fais un jour, 2 jours, 3 jours après que la loterie soit clôturée. Parce que je fais pas, ça change, enfin, ça change pas grand-chose, quoi. Mais pour celle-là, j'essaierai de faire le plus vite possible pour que vous soyez comme ça, vous soyez content. Voilà. Donc voilà, c'est ce que je vous ai dit. N'hésitez pas, je radote. Voilà, je remets une couche. N'hésitez pas à aller, parce que là, je vous ai dit, ça serait con de. Après, je pourrais peut-être pousser un petit peu plus loin que le 15, mais c'est pas sûr. Donc, je préfère vraiment qu'on s'arrête le 15. Voilà, ça va être compliqué après d'aller plus loin que le 15. Donc, si par exemple, il me reste le 15, il me reste, allez, 5-6 tickets. Je peux pas pousser un peu plus, mais il faut vraiment qu'on essaie le 15, qu'il n'y ait plus aucun ticket et que comme ça vous repartiez, qu'il y ait un gagnant qui parte avec la statue. Après, c'est sûr qu'aussi c'est pareil, les prochaines loteries qu'on fera, on sera pas toujours table sur des. Parce que d'habitude, ce que j'essaye, c'est de faire en gros des tickets 30 participants. Là, j'étais obligé de faire 50 parce que bah si j'avais fait, ça aurait fait un ticket à je sais pas combien. Donc exactement, Damien. S'il y a une loterie sur le Sunny, ça sera pas maintenant. Voilà, ce sera pas parce que je peux pas en fait. Parce que vu le prix du Sunny, tu vois, je peux pas enchaîner deux grosses loteries comme ça. Là, c'est une très grosse loterie en fait, quand même. C'est une grosse figurine. Et j'ai pas envie en fait, voilà, c'est juste parce que j'ai pas envie de dire bah les gars, revenez à la caisse, revenez à la caisse, revenez à la caisse, revenez à la caisse. Donc là, il y a déjà une grosse loterie en cours, voilà, celle-là. Donc on laisse reposer. Il y aura une autre loterie, mais ça sera pas le Sunny. Et si le Sunny, on peut le faire, on le fera après. Donc honnêtement, le Sunny, si je dois le faire, ça sera peut-être dans 3 mois, Damien. Je vais pas te mentir. Je préfère jouer carte sur table. Parce que. Et je sais qu'il y a beaucoup de demandes. Hein. Il y avait sur le qu'on avait fait le sondage, il y avait beaucoup de demandes. Enfin, il y avait beaucoup de demandes. Et c'est ça aussi qui est dommage, c'est quand on fait les sondages. Moi, je veux des sondages. Oui, je participe en fait. Voilà. Maintenant, je vais essayer d'être plus clair. C'est oui, je participe. Parce que là, par exemple, pour le. On est à 166. 160 ou 100, enfin même plus, hein, je sais plus, hein, parce que ça a beaucoup participé sur les trucs d'Infinity qu'on pouvait faire. Et donc, bah, les deux qui sont sortis, ça a été le Sunny et le Zenitsu. Le Zenitsu a cartonné. Et du coup, quand je dis. Quand vous mettez oui, bah oui, parce que après sinon je vais pas aller, enfin j'ai pas envie d'aller vous démarcher, moi, ouais, t'as mis oui, voilà, mais si tu mets oui, participe. Voilà, si tu mets oui, participe, le sondage il est fait, parce que sinon, enfin, j'ai pas envie de m'amuser à lancer des loteries comme ça, et que ça parte pas, et qu'après, comme je voulais là par exemple, après je sois obligé de rembourser tout ça. Voilà, c'est relou en fait. Donc autant pour vous, parce que après ceux qui ont participé, bah, ils sont dégoûtés parce qu'au bout du compte ça se fait pas et c'est pas très sérieux. Voilà. Ouais, non mais le Sunny, mais le problème du Sunny, c'est peut-être que dans 3 mois, je pourrais peut-être pas. En fait, ça dépendra. Voilà. Si Dream of Anime, il peut je peux le faire avec lui, bah, je le ferai dans 3 mois. Et puis si c'est pas possible, c'est pas possible. Mais si c'est en fait si on le fait, ça sera dans 3 mois. Voilà. Parce qu'il y aura une loterie avec l'autre boutique avec qui je suis en partenariat, qui aura du très très lourd à vous proposer aussi. Et là, ça sera vous aussi de choisir. Voilà, je vous donnerai une liste de trucs, de statuts à gagner, à jouer, et ça sera à vous de choisir. Voilà. Et peut-être, bah après, on verra. Après, on verra, je verrai. Parce que ça, c'est sur statut art et manga. Hein, donc, après, pas de nom off. Mais je pourrais faire aussi des statuts en nom off. Mais ça, on verra plus tard. Voilà. Donc, sur ce, bonne soirée. Je vous dis, bah, contactez hein, si vous avez des fans de Demon Slayer, des fans de. Enfin, voilà. N'hésitez pas à partager la vidéo.
enfin la loterie, tout ça, même le live, hein, vous pouvez partager, hein, voilà. Si les gens ils ont envie de me kiffer, je sais qu'il y en a beaucoup qui m'aiment. Donc n'hésitez pas. Sur ce, je vous laisse. Ouais, c'est des petites blagues, hein. Pareil dans le récap, moi je fais pas beaucoup de blagues, c'était Damien, c'était Gaël qui faisait les petites blagues dans les récaps, donc j'espère qu'il a un stock parce qu'il faut voir qu'il m'en fournisse. Allez, je vous laisse les gars, bonne soirée à tous et merci d'avoir participé.